Au cœur de la Haute-Ville, le Café Le France, quartier général du rugby occitan. Le lieu de rendez-vous incontournable pour des générations de joueurs du FCA. Et les anciens ont réservé un comité d'accueil surprise à Jacques Brunel. Ça va Jacques ? Bienvenue au club. Et ils sont presque tous là, les ex-coéquipiers du sélectionneur de l'équipe de France. Jean Le Droff, Henri Sistac, Michel Espier, une génération qui a vécu les belles heures du club. Autant de souvenirs pour Jacques Brunel qui, pendant 17 ans, a joué sous les couleurs de Hoche, à une époque où le stade du Moulias était une place forte. Ça a été difficile pour l'adversaire souvent, oui. À cette époque-là, chaque club avait sa propre identité. Et celle d'Hoche était d'être un club difficile, dur, rugueux. Tous se souviennent d'un Jacques Brunel arrière imprévisible, un contre-attaquant spécialiste du cadrage débordement. Moi, c'est l'homme moi, qui m'a fait marquer le plus d'essais de ma carrière. Sur les côtés fermés, les deux Jacques, Jacques Forouc, Jacques Brunel. Et après, il me faisait passer le ballon. Et j'avais intérêt à être à l'heure et à point. Hein. Sinon, je me faisais remonter les broches. Toutes les parties les plus rapides. Et puis, sa force, c'est justement de rentrer dans les lignes d'attaque et dans le bon timing. Et on était sûr que chaque fois qu'il rentrait, c'était souvent pour un essai. Quoi. Il était téméraire. Il se permettait de partir dans son but entouré d'adversaires, de faire une contre-attaque et remonter tout le terrain. Et il faisait marquer des essais. Quelquefois, il se faisait coiffer. Mais enfin, la plupart du temps, il réussissait. Ce qui, d'ailleurs, de temps en temps, horripilait un petit peu Jacques. Parce qu'il disait, calme-toi. Joueur de talent, mais aussi entraîneur, pendant 7 ans, Jacques Brunel a pris en main l'équipe première du FCA. Et dans les années 90, les Gersois tiennent la dragée haute aux grandes équipes du moment. Les Stade Toulousain, on les a battus 5 ans de suite. 5 ans, ils sont venus là, 5 ans, on les a battus. Donc, ça a été une période aussi prolifique, parce qu'il y avait, ces résultats, il y avait l'engouement, il y avait le stade plein, il y avait toute une communion, avec toujours pareil, avec une identité forte. Une identité gasconne, fière de la réussite des enfants du pays. Jacques Brunel, invité d'honneur du derby Hoche-Vic-Fezensac, tout un symbole pour le Gersois qui a commencé le rugby dans ce club amateur. 12 ans que le patron du 15 de France n'était pas revenu au stade du Moulias, alors forcément sa présence est un événement pour le club en pleine renaissance. Et ça n'a pas changé, ça n'a pas changé. Tout est parfait. Le cadre c'est plus beau est magnifique. Qu'avant même, non ? C'est même plus beau, ça. La pelouse est très belle, magnifique. Alors, sous les yeux de Jacques Brunel, les Rouges et Blancs ont tenu à faire honneur au maillot. Un match engagé, 4 essais marqués face à une vaillante équipe de Vic. Mission accomplie pour les joueurs occitans. C'est un monsieur du rugby et c'est aussi toute une image pour un club. Hein. Donc pour cette ville d'Hoche, c'est quand même exceptionnel d'avoir fait passer des joueurs comme Jacques Brunel, comme plein d'autres. On a une très grosse fierté. En plus, on est tous du coin, donc c'est un vrai plaisir de se retrouver tous là et face à ce monsieur aussi. 2500 personnes pour ce derby de Fédéral 3, comme aux plus belles heures du club. Le RCA renaît et renoue avec son public. C'était décidément jour de fête à Hoche.